Donc on se retrouve pour une petite vidéo sur la chronique du cheminot, les amis, l'épisode numéro 7. Donc moi je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de nouvelle vidéo, tout simplement parce que j'étais occupé par mes montages et tout ce que j'avais à faire. Donc du coup, j'avais pas trop le temps de faire de nouvelles vidéos, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc bah, on va commencer tout de suite. Juste par contre, j'ai plusieurs choses avant de commencer. Je vais vous dire que j'ai plusieurs choses évidemment à vous dire dans cette chronique, tout simplement parce que j'ai ma chaîne, que je vais faire des nouveaux trucs, etc. Que j'ai un nouveau logiciel de montage, etc. etc. Donc du coup, je vais vous présenter ça juste après que je vous aurai montré tout ce que j'ai fait de mon côté. Donc ce que j'ai fait de mon côté, les amis, tout simplement, c'est que j'ai mis de l'herbe un petit peu partout. Vous voyez qu'il y a de l'herbe vraiment partout. Ici de ce côté là, donc j'en ai mis vraiment partout pour que bah voilà, ça se relie avec les autres herbes qui s'étendent de l'autre côté. Et tout simplement pour que les arbres soient dans l'herbe. Tout simplement, je trouve ça un petit peu plus propre. Donc voilà, donc c'est pour ça que du coup j'ai avancé un petit peu de mon côté. Parce que justement, il nous reste encore à faire ce côté-là qu'on va faire dans cette vidéo, mais je vais vous dire tout ça après. Voilà, donc on n'a pas beaucoup avancé dans le coin forêt, donc il faut qu'on avance un petit peu, parce que après on a le coin caillouteux qui va être ici, le coin ville qui va prendre à peu près tout le milieu, là, à peu près, et bah après poser les rails et mettre le train, etc., etc. Et donc du coup, ça prend un petit peu de temps quand même, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse tout ça. Donc les amis, comme là je vous ai présenté un petit peu ce que j'ai fait, enfin non, je vous ai pas présenté là. Vous voyez que l'herbe ici, enfin la haie plutôt, la haie je l'avais mis de ce côté là. Donc je l'ai remis en fait de l'autre côté, en fait la même haie de l'autre côté. Je trouvais ça plus propre, ça faisait un petit chemin comme ça pour que le train y passe. D'ailleurs il y a des arbres en plein milieu, regardez-moi ça les amis. Attends, attendez, on va lever ça, parce que là il y a des arbres en plein milieu, ils servent à rien du tout. C'est idiot, il y a des arbres en plein milieu. Donc voilà, donc bah, le train en fait, bah, comme je vous le disais, comme je vous dis souvent dans les épisodes de la chronique, alors attendez, excusez-moi, je vais remettre la caméra là parce que ça va pas, voilà, donc il va passer ici, bon, vas-tu tourner caméra, voilà, il va passer ici, il va passer au milieu de la haie, bon, si j'arrive à mettre la caméra, il va passer au milieu de la haie, puis il va aller dans le coin caillouteux, etc., etc. Sauf que, vous voyez qu'il nous reste encore à mettre un petit peu d'herbe un petit peu partout ici. Mais du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, tout ce que j'ai à vous dire. Alors déjà, j'ai mon petit carnet à côté de moi pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Alors les amis, ce que je vais faire, c'est que, bah, on va commencer par déjà remercier l'Apogée. Donc merci beaucoup à toi, l'Apogée, mon abonné, qui me soutient beaucoup. Donc merci beaucoup pour ton soutien, tu me fais des commentaires vraiment super. Donc merci beaucoup à toi, c'est vraiment super. Donc encore, merci beaucoup à toi. Voilà, donc je remercie Team SCOA Solets et Dune Maurice, je mettrai le lien de leur chaîne dans la description. Donc Team SCOA Solets, c'est tout simplement Valentino du 72 qui a eu sa chaîne très récemment. Donc je l'ai aidé à faire sa première vidéo avec VS Pro 13 et avec Windows Live Movie. Donc on a fait ça tous les deux et du coup il a sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, il fait de super vidéos, enfin il va en faire des très bientôt des vidéos. Donc voilà, donc il va faire pas mal de vidéos je pense. Donc il fait de la moto et du soleil comme son nom l'indique. Donc pour ceux qui aiment bien la moto et le soleil, ça peut être très intéressant justement. Ceux qui aiment bien le soleil, voilà la moto, bah n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça peut être très très sympa. Donc voilà, donc voilà, je remercie Dune Moritz aussi pour m'avoir aidé pour ma chaîne et tout. Donc merci beaucoup à lui. Je mettrai le lien de Dune Moritz et de Team SCOA Solets, le lien de leur chaîne dans la description. Donc voilà, donc les amis, pendant que je parle, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu. On va mettre de l'herbe. Alors attendez, c'est grasse, oui c'est ça, grasse, green. Bon, je mets toujours green parce qu'à chaque fois il me trouve l'herbe que je veux, donc je mets toujours la couleur verte, je sais pas pourquoi. C'est ma couleur préférée en même temps. Ah, donc voilà. donc on va mettre de l'herbe un petit peu partout. Donc je continue ce que j'avais à vous dire. J'ai un nouveau logiciel de montage, les amis, qui est Vegas Pro 13, donc je pense que tout le monde connaît. C'est le fameux logiciel de montage de Sony. Alors moi je l'ai craqué parce qu'il coûte quand même 500 €, hein, donc c'est un petit peu beaucoup, ça fait un petit peu cher. Donc je l'ai craqué. Voilà, gros copyright, c'est magnifique. Donc voilà, donc je l'ai craqué, donc tout simplement je vais pouvoir faire plus de montage, des modes accélérés, etc. D'ailleurs,
Je vais faire un mode accéléré dans cette vidéo. Oui, les amis, vous ne rêvez pas. Je vais faire un mode accéléré de cette partie-là. En fait, on va mettre de l'herbe ici. Et on va mettre plein d'armes. Mais tout ça, ce sera en mode accéléré, en musique. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Parce que c'est tout nouveau pour moi. Et j'espère que ça va marcher. Parce que Vegas Pro m'a déjà foiré plusieurs fois. Donc, j'espère que ça va marcher. Le montage que je veux faire. Donc voilà, donc ça c'était pour le logiciel de montage. Après, sur mon carnet j'ai marqué que je vais faire une nouvelle présentation de chaîne. Oui les amis, encore une nouvelle. Parce que bah les amis, tout simplement j'avais, je montrais ma tête et tout la dernière fois. On ne s'était pas vraiment très très pro, j'ai envie de dire entre guillemets. Donc voilà, donc ce que je vais faire, ma nouvelle présentation de chaîne, pardon. Je vais faire défiler des photos en fond d'écran. Et tout simplement, je vais recommenter par-dessus, tout simplement, bah, pour montrer tous les jeux que je fais sur ma chaîne, tous les jeux qu'il y aura sur ma chaîne, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai fini le tour de tout ce que je voulais dire. Donc on va voilà, parce qu'on n'avance pas trop. Donc on va continuer de planter du crown cover ici, parce que vous voyez qu'on n'a pas encore fini, il faut qu'on plante de l'herbe un petit peu partout. Bon, si ça lag pas trop, parce que là... Train the Simulator 2012 est en train de ramer, je ne sais pas pourquoi, c'est... Regardez-moi ça, 15 images secondes. Alors d'habitude, je tourne tout le temps à 60 images par seconde sur Train, parce que c'est pas un jeu très 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 élevé. Enfin, il est extrêmement poussé, donc voilà, il est pas très gourmand. Donc, c'est pas comme un Retro Simulator 2. Ça change complètement. Mais là, je sais pas pourquoi mon PC est en train de ramer, donc... ah, c'est peut-être quand je zoome. Ah voilà, c'est quand je zoome, ouais, effectivement, c'est quand je zoome, ça fait ramer le jeu, voilà, c'est pour ça. Donc on va pas mettre trop d'herbe ici, je pensais mettre de l'herbe plutôt par là, ouais, enfin quoique, je pense que les amis, tout à l'heure, bah là on finit de planter l'herbe sur le côté ici, bah les petits trucs qui restent là, et puis après on va directement s'attaquer au mode accéléré les amis, en musique. Donc tout ça c'est avec Vegas Pro. Donc voilà, donc tout ce que je mets en fait, tout ce que je dis concernant ma chaîne, concernant mon matos, mes logiciels de montage, etc. C'est donc à propos d'eux, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai changé à propos d'eux, j'ai mis quelques petits trucs, j'ai changé quelques petits trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir dans à propos d'eux, si vous voulez voir mon matos, etc. Ce que j'utilise, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir dans à propos d'eux. Donc voilà, donc bah, on a fini l'herbe ce côté-là, vous voyez qu'on a fini, je pense que c'est largement suffisant. On va pas mettre d'autres arbres parce qu'après ça va trop surcharger. Vous voyez qu'après il y en aura beaucoup 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 trop. Donc on va pas en mettre trop, puis je pense que c'est déjà pas mal et on va s'attaquer au coin, à ce côté-ci. Donc voilà, mais avant qu'on commence, je vais vous montrer comment j'ai appelé la map. Alors je l'ai appelé la map paysage, les amis, tout simplement parce que il y a la forêt, il y a le désert, bah il y a la ville aussi, il y a le, il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu tous les paysages. Vous voyez, entre parenthèses, j'ai mis forêt, désert, ville. Donc voilà, donc il y a un petit peu tous les paysages, donc je l'ai appelé la map paysage. Bon, ne me demandez pas pourquoi. Ah bah, mais n'hésitez pas à aller voir, à me dire dans les commentaires la description. Bah, je dois mettre quoi parce que je sais pas trop mettre comme description. Peut-être que la description on la mettra vraiment à la fin de la chronique, parce que c'est sinon si on la met dès le début, en fait on sait pas trop ce qu'on va faire. Donc je pense qu'on la mettra à la fin. Donc voilà, donc on va fermer ça. Oula, gros lag. Ah, attendez, je rétablis. Voilà, parce qu'il y avait un gros lag tout à l'heure. Donc voilà. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement le mode accéléré. Donc on va mettre du crown cover partout ici. Et je vous propose, bon ça va pas être la même herbe que là, mais tant pis. Je vous propose qu'on attaque ça tout de suite. Alors c'est bizarre, vous voyez, je tourne à 50 images secondes. Vous voyez comme c'est bizarre. Tout à l'heure je tournais à 20 images secondes, 15 images secondes. Là je tourne à 50. Est-ce normal? Voilà. Donc les amis, on va directement attaquer... bah, le mode accéléré. Donc ce que je vais faire les amis, c'est que je vais couper mon micro. Et je vous dis à tout à l'heure, parce que je vais sûrement reparler après le mode accéléré. Donc en musique, le mode accéléré évidemment. Donc moi je vous dis bah, à tout à l'heure. Et c'est parti pour le mode accéléré. Allez, je coupe mon micro et à tout de suite. Allez, à tout de suite. Thank you.
Donc voilà les amis, c'est la fin de ce mode accéléré, donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Donc c'est la fin de la chronique de cheminot, donc comme vous avez pu le voir dans le mode accéléré, les amis, on a planté de l'herbe un petit peu partout ici sur le côté. On a planté des arbres, des conifères et on a mis 3 arbres entre chaque conifère, des 3 petits arbres. Donc c'est la fin de la chronique du cheminot, donc petit mode accéléré plutôt court parce que bon, je peux pas faire des gros modes accélérés comme le font certains. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit mode accéléré. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouvera sûrement sur Deforming. N'hésitez pas à aller voir les liens des chaînes que je mettrai en dessous, dans la description, en dessous du lecteur. Allez, moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde. Et salut à tous.